Bonjour, c'est Juliette. Au-delà d'une peau parfaite, on rêve toutes d'un décolleté sans défaut. Voici les clés pour traiter cette zone délicate comme il se doit. On a toute l'habitude d'appliquer beaucoup de produits sur notre visage, mais on oublie souvent de prolonger la gestuelle sur le cou et sur le décolleté. Pourtant, c'est essentiel. Primo, parce que c'est une zone très fine, un petit peu comme le contour des yeux, donc elle va vieillir en premier. Et secondo, parce que c'est une zone qui est dépourvue de glandes sébacées et donc il faut beaucoup l'hydrater. Lors du nettoyage du soir, je vais donc m'assurer que je nettoie aussi le cou et le décolleté. Lors de l'exfoliation, je prolonge ma gestuelle, mais je fais très attention de ne surtout pas utiliser de gommage à grains, puisque, je le répète, cette zone est très fine et excessivement délicate. Et lors de l'hydratation, je prolonge aussi la gestuelle. Attention cependant, je n'applique pas de crème trop riche sur cette zone, sinon cette zone va se relâcher. Deux petites astuces pour appliquer son soin cou et décolleté. Primo, je vaporise une lotion avant d'appliquer mon soin, tout simplement parce que ça va apporter du glissant et ça va permettre d'économiser du produit. Et deuxième astuce, je vais faire attention quand j'applique mon soin de ne pas déplacer ma peau, donc de ne pas trop l'agresser, mais finalement c'est la même règle qu'on applique sur le visage, mais on y fait particulièrement attention sur le cou et le décolleté, toujours parce que c'est une zone très fragile. Et pour garder un décolleté lisse et jeune, j'adopte quotidiennement une protection solaire, minimum SPF 30, surtout si j'applique sur cette zone des soins à base de vitamine C ou d'acide de fruits pour lutter contre les taches pigmentaires, car ce sont des ingrédients qui sont très photosensibilisants. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du L et je vous dis à très vite pour d'autres conseils beauté.